Monsieur Serra, que tirez-vous comme conclusion quant à l'avenir de la production des entreprises? Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en ce début d'automne, la situation de la France est, je dirais, exceptionnellement bonne si on la compare à celle de l'Italie, de l'Angleterre, même de l'Allemagne et des États-Unis. Nous avons un taux d'expansion qui reste aux environs de 5%, et une situation de l'emploi et du pouvoir d'achat qui est bonne. Le tout est de savoir si nous pourrons préserver cette situation face à une situation internationale difficile et si nous pourrons en particulier résoudre deux grands problèmes français, particulièrement importants pour nous, le retour à une hausse moins rapide du coût de la vie et deuxièmement le rééquilibrage de notre balance commerciale, c'est-à-dire la possibilité de payer par notre exportation, nos importations de matières premières et de pétrole. Ce sont, à mon avis, les deux grands problèmes. L'inflation, c'est une chose qu'il faut s'efforcer de résoudre le plus rapidement possible, mais ce serait une grande erreur de considérer qu'il n'y a que le problème de l'inflation. En réalité, il ne faut pas que la solution qu'on apporte au problème de l'inflation nous gêne dans la deuxième opération qui est l'exportation, et il faut qu'on maintienne les possibilités effectives d'investissement des entreprises. Si on porte atteinte à l'investissement, on porte atteinte à l'exportation. Monsieur le Président, une dernière question. Comment pensez-vous amener le gouvernement à réviser éventuellement sa position sur la taxe conjoncturelle, appelée aussi la cerisette? Vous savez, dans ces choses-là, il faut entreprendre vigoureusement, clairement, honnêtement, et puis ensuite faire confiance à la sagesse et au sens de responsabilité des responsables. J'espère que le gouvernement tiendra compte de nos éléments d'information. Ce que nous avons voulu faire, ce n'est pas une pression sur le gouvernement, c'est une information honnête d'après les éléments que nous avons en main.